longue vue magique. On pourra s'en servir pour aider les habitants d'Isla Encanto. Qu'est-ce qu'on attend? Évitons de nous précipiter et pensons au piège. Je passe en premier. Sur les lumières. C'est quoi ce bruit? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Enrique, roi de tous les palais, troisième du nom. Flûte alors. C'est ça que je voulais, la longue vue magique. Hein? Que se passe-t-il? Je dois partir et vite. Allons-nous-en. On se reverra. Je ne m'appelle plus Enrique, roi de tous les palais. Troisième du nom. Flibustier. Malotru. On est piégé. Il doit y avoir une autre issue. Il s'aborde. C'était un autre piège. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je parie que la longue vue magique pourrait nous aider. Elle aide les gentils pirates. Longue vue. Rayon X. Je vois un tunnel derrière ce mur. Suivez-moi, les amis. Je crois que c'est un faux mur. Venez. Minute, papillon des mers. Avec la longue vue magique, je vois qu'il y a un pont invisible. Fais attention, cousin. Tu vas tomber. Non, ne t'inquiète pas, Thomas. Regarde! Les amis, il y a vraiment un pont! Suivez-moi! Hors de question! Je ne vais pas marcher là-dessus! Je vous avais dit que ce serait facile! Dès qu'on la montre à grand-père. Merci beaucoup. Hé, rends-la nous. Jamais. Nom d'un poisson volant. Enrique est tombé dans un piège de pirate. Sabre magique, éclaire-moi. Enrique, je peux nous sortir de là, mais j'ai besoin de la longue vue pour trouver le chemin. Jamais! Je peux très bien trouver le chemin tout seul. Et je vois absolument rien avec ce truc. Oh! Mais il s'aborde! Kiko! Je l'ai! Merci, mon grand. Il y a peut-être une sortie plus bas. Longue vue, vision nocturne. Waouh! Je vois une toile d'araignée géante. Tu veux faire du trampoline sur la toile d'araignée géante? Qu'est-ce que tu dis? Il est hors de question que je fasse ça. Mais si, tu peux le faire. Tu es le célèbre Enrique, roi de tous les palais. Troisième du nom. C'est normal d'avoir peur parfois. On sautera ensemble, d'accord? D'accord. Alors c'est parti. Prépare-toi à sauter. Sautons. Enrique, tu vas bien? Moi? Je suis en pleine forme. Allez, on te ramène à ton bateau. Je n'ai pas besoin de votre aide. Pas vrai, ma petite souris? J'ai tellement hâte de montrer notre nouveau gadget de protecteur à grand-père. J'arrive pas à croire qu'on ait trouvé la longue vue magique. Beau travail, les amis. C'était encore une belle aventure pirate. Vive les pirates! Regardez! Les îles sur la carte s'alignent parfaitement avec les étoiles.
Les amis, cette carte n'indique pas un trésor enfoui sous l'eau. Elle nous montre un trésor dans les étoiles. Waouh ! Un trésor dans les étoiles ? Mais comment allons-nous faire pour voyager jusque là-haut ? Hein ? Waouh ! Je crois que cette carte donne à El Bravo le pouvoir d'une étoile. Peut-être qu'on peut demander à El Bravo de voler. El Bravo, vole ! D'une étoile de mer. C'est incroyable. Oh, bah ça alors. El Bravo, en avant toutes. Regardez, c'est Isla Encanto. Les marins ont toujours utilisé les étoiles pour guider leurs bateaux, mais jamais de cette façon. Waouh. Regardez, le vaisseau est là. Et le coffre au trésor aussi. Mais... oh non! Le vaisseau a une trajectoire hors de contrôle. Quelque chose ne va pas. Nous devons stabiliser ce bateau, les amis. Oh! Qu'est-ce que c'est, Kiko? Les amis, alerte! Nous ne sommes pas sur un chemin étoilé, mais sur la queue de la constellation Hydra. Tu veux parler de la constellation qui a la forme d'un gigantesque... serpent! Wow! Oui, c'est bien celle-là. Hein? Où est-ce qu'elle va? Regardez, Hydra essaie d'empêcher les météorites de s'écraser sur le vaisseau. Nom d'un coquillage, c'était moi une. Mille sabords, nous devons l'aider. Je crois qu'il s'agit d'une mission pour un pirate protecteur. Thomas, tu vas prendre la barre et nous suivre. Oui, mon capitaine. Accroche-toi, Kiko. Ne t'inquiète pas, Hydra. Je vais sauver ton vaisseau. Mille baleines! Lorelai, chante, s'il te plaît! Oh. 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 Oh, Bernacle! Le vaisseau n'a plus de boussole! Pas étonnant qu'il soit hors de contrôle! Oh, notre boussole ne rentre pas! Nous devons trouver une boussole adaptée! Bonne idée, Kiko! C'est la boussole du vaisseau. Oh, alerte! Une autre météorite! Dis au vaisseau de tourner! Dis, tourne! Le coffre au trésor! Oh, on a le bateau. Maintenant, nous devons récupérer le coffre. Vite! Mille sabords! Où est passé le trésor? Senti, tu as sauvé le vaisseau. C'est vrai, les amis, mais j'ai perdu le trésor. Santiago, tu dois regarder le bon côté. Le fait qu'on ait sauvé le vaisseau? Non, regarde de l'autre côté. Ah, oh, c'est un astéroïde. Peut-être que le coffre est de l'autre côté de l'astéroïde. Vaisseau, vire de bord. Yahoo! Je l'ai! Hydra, je vais laisser ce trésor ici, avec toi, son réel protecteur. Un diamant de clair de lune! Nom d'un coquillage nacré, c'est merveilleux! Un vrai trésor! Gracias, Hydra! Oh. Au revoir! À bientôt! Comme de véritables marins, nous avons suivi les étoiles pour retrouver notre chemin vers Isla Encanto. De retour à la maison. Et sans oublier le diamant de clair de lune. Et grâce à ce cadeau de la part d'Hydra, nous nous souviendrons toujours de notre aventure étoilée dans le ciel. Wow! Beau travail, compagnon. Vive les pirates! Sabords, 2000 sabords, 3000 sabords.
Oui, c'est absolument incroyable. Bateau en vue. Oh, bah ça alors. La boussole nous dit que la pierre de la vie est là-haut. Mais comment allons-nous grimper jusque-là? Comme ça. Venez les amis. Grimpez à bord, les amis! On tombe, quittez le navire! Ne t'en fais pas, tout va bien. Ces grosses lianes maintiennent le bateau en place. Oh, oui, bien sûr, je le savais. La pierre est dans la coque du bateau. C'est absolument extraordinaire, non? La boussole dit que la pierre de la vie devrait être juste ici. La Piedra de la Vida. Wow. C'est encore plus merveilleux que ce que j'avais imaginé. Oh. Que se passe-t-il maintenant? Oh. L'endroit est en train de perdre toute sa beauté. La pierre de la vie, c'est certainement son pouvoir qui maintient les plantes et les animaux en vie. Si on l'emporte avec nous, les plantes vont faner et cet endroit va entièrement disparaître. Oh non! On ne laissera pas une chose pareille arriver. On doit la remettre à sa place. Ah! Ramassage express! Sir Caramel! Voilà pour toi. Bonnie! Ha ha! La Piedra de la Vida! Pour moi! Vous êtes trop gentils, les marins d'eau douce! Bonnie, tu ne peux pas emporter la pierre! Les plantes et les animaux en ont besoin! Arrête! Tu crois que des plantes et des bestioles sur un rafiot en ruine vont m'empêcher de... Oh! Wow! Un dernier mot! Salut, bande de marins d'eau douce! Venez, les amis! On doit récupérer la pierre et protéger cette île! Mille sabords! Tout le monde sur le pont! On doit sauver le navire! Lorelai, un petit coup de main? Enfin, un coup de nageoire! Bracelet de perles! Transforme-moi en sirène! De la rivière, peux-tu faire marche arrière? C'est bon, les amis! Mais je ne pourrai pas tenir longtemps! Mais... On sera bientôt à la maison, mon joli! C'est terminé, Bonnie! Je dois remettre la pierre de la vie à sa place sur le bateau! Tu veux dire ma pierre? Hors de question! Adios! Bonnie, attention! Bien essayé, mais tu ne pourras pas... Oh, oh! Muchas gracias! Santi, où es-tu? Santiago! Fais vite! Oh, le navire! Désolée, Bonnie, c'était mon dernier mot. Flibustier! Oh, ah! Tes plumes me rentrent dans la peau! Je l'ai! On peut sauver l'île! La voilà! Oh, génial! Il faut faire vite! Oh, incroyable! Fantastique! Regardez, les amis! Le capitaine Calavera avait sûrement trouvé la pierre de la vie, mais au lieu de la prendre, il l'a protégée! Et on va faire la même chose! Merci, Kiko. Merci de nous avoir aidés à terminer l'aventure de Calavera et à sauver la pierre. On a bien travaillé, compagnons. Vive les pirates!